Non, non, c'est pas du tout. Moi, j'enregistre cache, comme ça. On fait un balayage des pièces, on se sépare un peu ou pas? Ben, je pense que se séparer, ça peut marcher. Je vais passer pour pas non, là, c'est bon. Moi, j'ai le flash avec. Impressionnant. Attends, je vais aller au fond. Je vais aller tout seul au fond. Voilà. Allô. Guten Tag. Was ist der Beher? Ben, j'ai eu deux points blancs qui sont apparus là, mais je sais pas ce que c'était, c'était pas de la poussière. J'ai eu deux points blancs bizarres là qui sont apparus sur la vidéo. Hein, encore un là. C'est quoi ça? Peut-être un soldat qui fait ses rondes. Peut-être. Ce serait pas étonnant. Je suis complètement désorienté dans la pièce, c'est marrant. Moi aussi, je sais pas du tout dans quel sens je suis. Ah voilà, d'accord. Alors que nous venons à peine de commencer notre enquête au casemate, une brume fait son apparition, semblant se diriger dans la pièce juste en face de moi. À première vue, nous pensions à une brume, mais si cela était le cas, nous l'aurions vu sur toutes les autres séquences. Or, aucune brume ne sera perceptible par la suite, hormis peut-être la séquence qui va suivre. Regardez bien. Fais gaffe parce qu'il y a pas mal de flotte là derrière. Oh, je sais qu'il y a de la flotte. Heureusement que j'ai pris les chaussures hautes parce que... Et revoici cette brume, qui semble cette fois être à proximité de moi. Et ce, juste après avoir posé une question. Mais contrairement à la première séquence, l'axe de cette brume se dirige tout droit, alors que la première change intégralement de trajectoire, déviant vers la gauche. Nous pourrions alors penser que le vent et le froid soient à l'origine de ce phénomène. Cette apparition reste la plus perceptible et la plus troublante de toutes nos enquêtes à ce jour. Nous ne souhaitons pas alors nous avancer sur le sujet sans que nous sachions réellement si c'est paranormal ou non. Mais cela nous laisse quand même tenter de penser, ainsi que notre perception de l'environnement et des éléments par la suite, qu'un garde reste définitivement présent dans ces lieux. Pour nous, c'est difficile d'être ici. Mais vous, vous êtes encore plus intelligent que nous. Vous avez quelque chose dans l'œil, là ? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Il y a des points blancs qui sont apparus sur la caméra, mais c'est pas de la poussière. Thank you.
connaissez son prénom ? Non, vous connaissez vous. Non. Mais franchement, t'as des tas super fin. Fois qu'une chose pareille m'arrive. Alors que je voyais tout au loin une lueur se dirigeant vers le mur, ma caméra se détache toute seule. Mais ce qu'il faut impérativement savoir, c'est que je ne vais pas prendre le risque de laisser pendre une caméra dans le vide si je suis certain que celle-ci n'a pas été attachée de façon correcte et sûre. Comme vous le voyez sur les images, ma caméra est solidement retenue par une sangle de caméra adaptée, attachée autour de moi, qui celle-ci est rattachée au mousqueton de ma sacoche. Pour que la caméra puisse se détacher toute seule, il faut presser fort le mousqueton de sécurité pour que la caméra puisse sortir. Mais avant chaque début d'enquête, nous vérifions toujours à ce que nos équipements soient prêts. Cela l'était pour moi. Jamais ma caméra n'était tombée ou a été détachée de cette façon. Mais quand on analyse la façon dont la caméra se détache, il semblerait qu'elle soit tractée en l'air pour ensuite tomber. Nous pourrions penser alors que suite à ce mouvement, dû à mon étonnement de la lointaine apparition, cela aurait pu provoquer la chute. Mais il n'en est rien, et je vous prouve l'exemple ici. Malheureusement, Pierre qui filmait avec sa caméra nous a pas donné cette séquence. Lors de l'enquête, j'avais fait une démonstration pour montrer qu'il était impossible que la caméra puisse se détacher toute seule. Mais qu'en faire son idée, de plus d'entendre un chantonnement,
Je vois une lueur qui se dirige vers le mur et quelques secondes après, ma caméra tombe mystérieusement, comme si quelqu'un voulait me l'enlever. Serait-ce un soldat qui voulait me désarmer? Cela en fait beaucoup trop pour être rationnel. Nous ne proclamons rien du tout, mais il est clair que cela reste forcément du domaine de l'inexpliqué. Tu veux une chaussure? Si tu trouves la deuxième, t'as une paire de pompes. S'il y a quelqu'un ici, pouvez-vous vous manifester? C'est des Nike du Pakistan. Non, Moïse. Pouvez-vous me faire un signe? On peut pas tomber à côté, quoi. Vous voulez me suivre? Suivez-moi. C'est un... Je sais pas, c'est un... N'ayez pas peur, revenez. Bizarre, c'est pique. C'est juste là. Mais les deux, quoi. Thank you.
Quelque chose de moi, là. Hein? T'as entendu quelque chose aujourd'hui? Non, c'est vrai. Non, je sais pas si t'es là, sur la tête. Vous avez encore quelque chose? Posé par terre, et touché ce truc, et je pense à sa lunette. Prestard, écoute, ne partez pas, ne soyez pas effrayés. Nous, on va tous s'écarter. Passez juste devant. Il n'y a rien de plus simple. Essayez de communiquer avec cet appareil. Utilisez notre énergie. Il nous en fallait pas tant pour que nous soyons exaucés. Il suffisait que je sois seul dans la pièce d'à côté pour que le K2 soit dans le rouge. Et comme par hasard, je ne filmais pas au même moment. Mais une fois l'arrivée de Cédric, Mathieu et Pierre, le K2 est resté inerte. Au moment où je demande à tout le monde de s'écarter pour que l'entité présente puisse se manifester, une curieuse anomalie visuelle ressemblant à un orbe passe juste au niveau de la caméra de Cédric se dirigeant vers la sortie. Que penser? Est-ce simplement une poussière ou un orbe? Là encore, nous restons dans l'indécision la plus totale. Il y a eu beaucoup trop d'événements passés cette soirée-là pour que le rationalisme des événements soit prôné. Nous laissons simplement les résultats de nos investigations laisser prendre parti pris sur nos jugements personnels, sur le ressenti du lieu. Mais pour nous, il était clairement évident que cette soirée-là, nous n'étions pas seuls.